Salut à tous, c'est Seven Cell Cabal et on se retrouve pour l'épisode numéro 18 d'Assassin's Creed Black Flag. Donc on s'en est arrêté au moment où les Anglais ils arrivent à Nassau et bon, on va continuer directement. Regarde-les, ces traîtres. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands airs de cette ordure d'Hornigold, ça me rend malade. Ma foi, vous êtes un homme de principe, capitaine Hornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience, on survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Eh bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. Nassau est fini, on n'y peut plus rien. On doit filer d'ici ce soir, on se retrouvera à mon campement. Ça me va, qu'est-ce que t'as prévu? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il a jamais su s'en servir. Je ne veux pas te contredire. Bon. Toi, tu vas voler la poudre, et puis moi, je m'occupe de la poix. Ouais, elle peut tuer 4 gardes en série. Sinon, ça va quand même. Ça peut tuer. Plus cher de Sarbacane, ça va bien. Je vais faire là, je vais faire un gros rassemblement. J'aurais pas dû demander qu'à eux, j'ai trouvé du psy. Hop, ça fait un. Purée. Et ça va être chiant qu'il y ait un. Non de Zeus. Je vais démarrer par mourir. C'est beau ça. Yeah. Donc. Comment je pourrais faire pour tuer 4 gosses? Parce que ça compte comme 4 en série. Tuer 4 gars en ici. On va voir si l'autre c'est un petit peu plus. Je suis payé. Aïe. Là, tu me tues là. Voilà. Bon.
Là, il y a deux petits. Là, c'est ça. Bon. Bon. Dis-moi que j'ai eu la série de gens. Oui! Parfait. Impeccable. Hop, on va se diriger vers la deuxième et là on va utiliser nos fléchettes de sarbacane. L'armure. Non, c'est pas la bonne chose. Voilà. Oh, bah lui, il tombe, c'est grave. Direction le troisième bar, il le peut acheter. Est-ce que les fléchettes... Il faut aussi. Donc il me reste plus que deux fléchettes. Faudrait que je pense à en mettre... la partie d'après. Une clochette. Bon ben. Je suis... Ah merde. Caillou. Oui, c'est... Et des cachettes, c'est bon. J'étais obligé qu'il y ait une... Et mon side, on va faire, c'est bon, on va faire un petit tour. Je suis pas du tout caché. Voilà. Oh là. Je me bats. Je me cache dans un autre endroit. Là, ça peut être un bon endroit. Voilà. On sait qu'on va se battre entre eux. Donc je vais être plutôt à... La clochette. Oh, pile. Hop, je vais prendre ça.
que tu dis, je crois. Ouais, je vais pas voir. Hop, on se fait. Pourquoi l'autre il a eu une chaîne? Y'a qui là? On est où là? Je suis où là? Un assaut? Ah, donc y'a un entrepôt rempli ici. Donc on a eu gêne de refaire. Donc là je l'ai, puis je l'ai. Ah non, je l'ai pas. C'était celui qui avait la clé au moins. Ah non, celui qui avait la clé. Hop. Bon, on va faire l'entrepôt tant qu'on est là, hein. On lâche pas de pain, on va te dire. Merci. Allez hop, on rentre dedans. Oh, y'a rien. Y'a absolument rien dans le truc. Attendez. C'est la douche. Y'a rien dans le truc. Bonne douche, hein. Non, c'est rien. Ça représente absolument rien. Bon, vous avez vu, c'est pas mal, c'est que voilà, pendant l'émission, on peut faire des trucs dans le genre. C'est ce qui fait que c'est pas mal. On... C'est pas forcément dans la même continuité, je dirais. Et voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. Ça me fait marrer, les gens ils veulent courir comme ça, ils disent même pas à la fin, c'est vraiment ridicule. Par contre ça c'est un truc qu'on a, on a perdu, c'est le fait de pouvoir avoir plusieurs types d'armes. 80, 90, 100%, impeccable. Tu gères la fougère. Bon, bon, on va aller directement sur l'autre mission vu que on est plus ou moins en avance. Enfin, on va pas faire un épisode de 14 minutes. Là ne me ressemble pas. Donc voilà, comme je disais, c'est un peu dommage, c'est qu'on a moins d'armes, dans le sens où avant on pouvait avoir des grosses armes, comme des haches et tout. Et après on pouvait avoir des petites dagues, des trucs. Là on a la puce, diversité d'armes. Allez les gars, c'est traîné. C'est ce maudit chanvre. Lieutenant. À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur ? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair ? Aïe, sir ! Quelle charogne du bas monde. Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux ? Sinon, on sera coincé ici. D'accord, je m'en occupe. Le Rome vous a rendu fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. Ah. Oh.
pas tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Non, je vais tuer le commandeur. Tuer. C'est pas mal, les zones d'attaque. Ça, par contre, ça vient de Assassin's Creed 3 et c'est vraiment une grande révolution pour les jeux. Caché. Stop. Tiens, non, non. Dans le coin. Non, mais monte pas là. Taïo. Shit. Faudrait que je me barre de cette zone. Voilà, on va passer par ici, ça me semble être une meilleure. Rogers et Chamberlain n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer. C'est pourquoi? Le Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. Et d'après certaines rumeurs, Rogers serait une sorte de jacobite. Ou pire, on dit qu'il est catholique. Il existe pire que ça. À voter ces deux hommes là-bas. On trouve d'autres zones de track. Suivez le mouvement et montez à bord. Le commandeur a du travail pour vous. Et là, mais y a pas de garde dans le coin. N'arrête pas de maudire Rogers, de le traiter de païen et de Dieu sait quoi. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, impec. Ça fait quoi? Toujours égal. J'espère que ça tourne là.
c'est les mecs qui vont tourner, moi je plonge. Oh, un nageur. En fait, j'aurais pu. C'est pas. C'est pas quête. On va sur le truc. Prenez vos positions et préparez-vous à lever le camp sur ordre du Commodore. Je sais pas ce que c'est un Commodore. C'est peut-être un commandant, je sais pas. J'ai bloqué. Je suis content. Impeccable. On va les remettre. On va les reverrouiller comme ça. Enfin, je pense pas qu'ils vont aller plus loin. Ça va mettre un peu le coin perdu ici. Effectuer un essai aérien sur champ d'arrière. Ok. Ça me semble faisable. Il faut juste que je vérifie le paquet de gosses à la vigie, sinon je vais faire. Côté, on va dire. Gardez en mémoire notre objectif. On est là pour trouver la corde de tous ces maudits navires pirates qui mouillent dans le port. Si vous doutez de l'honneur de notre Chamberlaine. Voilà, regarde, la fin au monde. C'est pour le coup. Après, une fois que t'es en haut, t'as tué Luigi. Voilà. Ça, ça va être chiant. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Trop peur. Bon, si je suis là normalement. Toi tu fermes ta gueule. Il ne vole pas ici. Et merde. On va faire un mec calme. On va essayer d'aller de l'autre côté. Peut-être qu'il va y passer. Oh merde. J'ai flippé quand même. Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme? La vérole obscurcit ta raison. Pourquoi se démener à sauver de telles crapules? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. On prend exemple sur le roi George, rien de plus. Garde ta place, paysan. Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts, espèce de larve. Ton heure arrive! Un, 90, 100%. Impeccable. Moi je mets très bien à tous, c'est vrai que ça aide pas les développeurs.
Mais moi, pour moi, elles sont toutes plus ou moins simples. Voilà. Donc les amis, je vous laisse sur ce beau paysage de crépuscule, je dirais. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 19. Et je pense qu'on se rapproche quand même de la fin. Donc notre histoire va peut-être bientôt se terminer. Enfin, après j'ai prévu de rajouter 4 épisodes sur les attaques de fort, 4 épisodes sur les navires légendaires, 4 épisodes sur les templiers, et peut-être des épisodes, mais alors ça je pense que c'est vraiment pour le fun. Enfin, c'est pas pour le fun, c'est disons plus pour l'histoire d'Assassin's Creed, où je vais expliquer chacun des documents que j'ai eu, surtout hors Animus, vu qu'on en a eu pas mal. Bon, enfin bref, je verrai, on verra ça. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. We'll be right back.